D'accord. Moi, c'est M. Monet, Guy Romuald. Donc, je disais que concernant ce qui se passe sur nos frères africains et tunisiens, c'est quand même aberrant de savoir qu'on a des Africains qui traquent, qui maltraitent leurs frères africains. Et ce qui est plus choquant encore, c'est qu'eux-mêmes, les Tunisiens, ne se considèrent pas comme des Africains. Voilà, ils nous traitent d'Africains. Alors qu'eux-mêmes, ça dit qu'ils se mettent en dehors même de cette unité qu'on veut construire au niveau de l'Afrique. Et je trouve ça dommage. Et ce que je peux dire à nos frères qui sont nos frères ivoiriens qui subissent ces gens de maltraitance, je leur demande de prendre courage et que ceux qui peuvent rentrer au pays, qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent au pays. Et aussi, faut révéler un fait. Ça dit que moi, je condamne quand même aussi. C'est vrai, il ne faut pas condamner pour condamner. Mais on a notre part de responsabilité. Le plus souvent, les Tunisiens se fondent de ce que ces personnes-là sont clandestins. Voilà. Bon. Ils sont clandestins, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je pense que la première des choses à faire, c'est de se régulariser et d'être en conformité avec la loi tunisienne. Sinon, généralement, globalement, je condamne ce qui se passe en Tunisie. Et je trouve que ce n'est pas normal.